TACA Maroc en 2023 a conclu son 25e anniversaire, 25 années de très bons résultats avec un taux de disponibilité en moyenne de 92,5%. Cette année, en 2022, on a réussi à atteindre 93,9%. Mais l'accent est mis en 2023 sur les perspectives de développement de l'entreprise et notamment dans le cadre des énergies renouvelables, la diversification et dans la transition énergétique. Donc d'ici 2030, nous avons un objectif de développer 1000 MW en termes d'énergie renouvelable avec une réduction de l'empreinte carbone de 25%. Aussi, nous comptons nous positionner sur les projets de dessalement qu'offre le Royaume du Maroc aujourd'hui avec le stress hydrique et les projets qui sont en cours. Mais aussi, je pense que le Maroc est à la veille de lancement d'un plan de centrale à gaz et donc on voudrait aussi nous positionner là-dessus et sans oublier l'hydrogène vert qui est lié étroitement aux capacités des énergies vertes qui sont abondantes au Maroc. Nous sommes aujourd'hui dans la présentation du résultat de l'année 2022. L'année 2022 a connu un taux de disponibilité des unités de la centrale de Jorf exceptionnel, autour de 94% en nette progression. Cette performance opérationnelle n'est pas le fruit d'un hasard, mais d'un travail acharné de notre capital humain et aussi d'une politique de maintenance adaptée grâce à une maintenance qui est aujourd'hui prédictive. Nous avons beaucoup investi sur la digitalisation de notre outils de production pour atteindre ce niveau de performance. Cette année aussi a été marquée par un résultat de 1,677 millions de dirhams qui ont nette progression par rapport à l'année dernière, qui s'explique par la performance opérationnelle, mais également par une parité dollar-dirham qui a été très favorable à l'entreprise sur cette année. Un élément majeur de cette année, c'est le changement de notre identité visuelle. Et ce n'est pas également un hasard. Le changement d'identité visuelle vient avec un changement de cap stratégique, avec un cap stratégique de 2030 qui va nous permettre de réduire notre empreinte carbone de 25%. Et pour cela, nous comptons nous investir dans les énergies renouvelables, le dessalement d'eau, et également dans les cycles combinés gaz, qui reste un facteur clé de succès de TACA dans le monde. Et on compte également développer cette expertise au Maroc. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.